Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Enfin, on va reprendre les travaux de la cuisine. Je vous explique pourquoi ça avait stoppé un peu les travaux, le temps des fêtes, les vacances, tout ça, et bah, pendant 20 jours en janvier. Je vous explique tout ça parce que voilà, maintenant on va pouvoir reprendre. On attendait des choses qui sont arrivées. Regardez-moi ça. Go! Donc déjà, le gros carton, c'est le chauffe-eau. Voilà, il est arrivé, j'ai pris le temps de choisir. On est parti sur un 100 litres au vertical. Ça devrait aller, on verra comment on le pose là-bas. Et ça, c'est ça que j'attendais, qu'on attendait, bah, que madame attendait aussi surtout. Son petit piano de cuisson, voilà, que je lui ai offert pour Noël. Trop contente. Et c'est pour ça que j'attendais les fêtes, parce que j'ai un fil électrique à brancher. Et je voulais savoir où je passais mon fil électrique pour la gazinière là-bas. Donc soit bon, ça va pas le décaler de grand chose, hein, ça aurait décalé de 40-50 cm. Mais voilà, donc aujourd'hui, on va pouvoir, dans cette vidéo, déjà je vais virer la cuisine, mais ça je vais le faire après. Et d'abord, on va enfin pouvoir poser la gaine électrique. Hop ! Voilà. On va aller mettre ça là-haut. Ça va être le petit plaisir, ça va être monté dans le grenier. Je sais pas comment que c'est, je suis pas remonté depuis un bon moment. Donc on va aller mettre ça et passer le câble ici. Est-ce que je passe celui du chauffe-eau maintenant? Je peux le passer jusque là-bas et le laisser enrouler dans le plafond le temps de poser le chauffe-eau. Ça, je pense que je peux le faire aussi. Et voilà. Donc bah, le but, c'est de monter là-haut. C'est le petit plaisir que j'attendais. Non, pas du tout. Mais il va falloir aller là-haut, on n'a pas le choix. Et quand je vois juste l'étoile d'araignée qui est à l'entrée, ça fait peur déjà. Allez, c'est parti! Oh bah c'est joli ça. Ah la vache. Allez salaud. Mais parce qu'on a fait mettre l'électricité il y a maintenant 2 ans. Et bah ils ont passé des gaines. Mais ils ont pas remis le polystyrène. Allez salaud. Bon bah c'est une belle surprise. C'est dégueulasse ici. C'est vraiment une très très belle surprise. Je suis ravi. Putain. Ah ouais, on pouvait avoir froid. Hein. On est directement sur le... Sur la brique. Bon bah super. Et nous, ce qui nous intéresse, ça va être ici. Ici on a notre brique. Ici on va avoir notre mur intérieur. Et c'est cool apparemment parce que je n'ai pas besoin de percer, de faire une saignée, vous voyez. Là, ça va passer, là, cet endroit-là. Là, le fourreau devrait passer. J'ai juste à percer le mur et retrouver le trou. Ça, ça va être une bonne nouvelle, déjà. J'ai pas besoin de faire une saignée tout le long. Bon. Là, je vais avoir un autre à passer là-bas. Et puis, bah là, c'est formidable. Super. Faut que j'aille jusque dans le fond, là-bas, passer ma gaine. Bon, bah, je crois qu'on peut y aller, hein. J'espère que c'est costaud, ce truc-là. Allez, c'est parti. Je monte le fourreau et on va tirer le câble jusque là-bas déjà. Oh putain, sérieux? C'est comme un con. Bon, vous allez rire, j'ai rien filmé de ce que j'ai fait là-haut, j'ai passé la gaine, mais de toute façon, on y retourne parce que j'ai tout démêlé, là, c'était un gros souis, il a fallu que je démêle tout la gaine, là, donc on y retourne parce que je ne sais plus où est-ce que je suis rendu là-bas, tellement j'ai démêlé, retiré et retiré. Ah oui, moi, je travaille comme un souillon, donc forcément. Bon, allez, on y retourne et on voit là, et je vous remonte là-haut, du coup, comment que c'est. Thank you.
Allez, c'est reparti. Parce que là, j'avais tiré toute ma gaine, là. Mais tellement j'ai retiré en bas pour démêler, je ne sais plus où est-ce qu'il est rendu, parce que j'avais mis une bonne longueur. Allez, go, hop. C'est parti, cette fois-ci, je déconne pas avec la caméra. Tout à l'heure, j'étais comme ça tout le long. Et en fait, je me suis emmêlé les pinceaux, vu qu'elle est fixée sur ma casquette, entre l'allumage et l'éteignage. Je sais pas si ça se dit. Donc voilà, c'est bien, bien la merde ici. Comme vous pouvez le voir, c'est pas facile. Il y a du bois, il y a de la ferraille. C'est pas haut. Voilà. On arrive au bout. Comme je disais tout à l'heure, du coup, et je savais pas, en fait, ma cheminée, elle part de traviole comme ça. Je savais pas du tout. Donc pour ramoner, ça va être bon de savoir. Ouais, voilà. Vous voyez, j'avais mis une grande longueur tout à l'heure. Regardez ça. Vous voyez, j'avais mis une grande longueur tout à l'heure et là j'ai quasiment plus rien. Donc faut que je retire parce que j'ai tout retiré. Voilà. Donc j'ai 1 mètre à peu près, le compteur est à 1 mètre du plafond. On va mettre une bonne longueur. Voilà. Ça me semblerait pas mal, je pense. Allez, un petit coup. Hop là, voilà. Là on va être pas mal. Il y aura assez. Maintenant, il faut retourner là-bas, couper la bonne longueur pour le plafond, pour le mur. Allez, on rebrousse chemin. Ah, puis ça fait mal aux genoux, ces conneries-là. Ah. Ouais, donc comme je disais tout à l'heure, amis électriciens qui font ça souvent, bah, félicitations à vous, parce que putain, c'est raide ça. Hein, je me doute que vous faites pas ça tous les jours, mais à mon avis, ça doit être très souvent dans certaines vieilles maisons ou trucs comme ça. Eh ben, bon courage à vous parce que c'est vrai que c'est la merde. Là, j'ai une gaine, c'est la lumière. Ah, là, on a un petit nique-guêpe. Et voilà, on arrive au bout. Eh ben, voilà. Ouh. Maintenant, il faut que je coupe la longueur pour aller jusqu'au sol. Et après, je vais passer la gaine derrière. Mais il faut que je perce mon trou en bas avant. Hop là. Alors là, c'est chaud parce que je mets le pied sur le haut de l'escabeau, là où normalement on marche pas, pour atteindre, oh là, ça bouge, la plateforme. Et voilà. Ouh, bon, maintenant il faut couper la longueur. Pareil, on va couper un peu plus long aussi. Par contre, c'est bizarre, je vois plus mon câble ni à un bout ni à l'autre. J'espère qu'au milieu, il n'est pas tout zigouillé. Bon, maintenant, il faut couper la bonne longueur. Alors, là, ça va aller jusque là. On va mettre là-haut. Là, ça devrait être pas mal. Je vais couper là, je pense que ça devrait être pas mal. Alors le câble dedans, je sais pas comment il est. C'est ça qui m'embête, c'est que je sais pas où est rendu le câble dedans. Donc j'espère qu'il va pas être trop court. Parce que s'il est parti de 30 cm là-bas, il va manquer 30 cm ici. Ah ouais. J'aurais peut-être dû attacher le câble à chaque extrémité. Bon bah tant pis. De toute façon, à un moment donné, il faut se lancer. Je vais prendre un peu plus. Voilà, je vais prendre là. Ça devrait être pas mal. Je vais faire ça. Hop. Voilà, j'ai plié les câbles. Comme ça, ceux-là, ils pourront pas partir. Je vais faire pareil ici. Voilà. Bon. Pour aujourd'hui, moi ça va être bien, pour vous c'est tout de suite, et moi je reviens bientôt pour percer et passer ma gaine. Parce que là j'en ai chié ce matin, ça n'a pas été, je suis pas resté longtemps, mais j'en ai chié. Allez,
C'est parti, pour vous, ça continue. De retour sur le chantier. Bon, bah c'est parti. Alors maintenant, on va percer le trou en bas. Maintenant que j'ai passé le câble là-haut, on va percer le trou en bas. Du coup, j'ai acheté une scie cloche à béton en diamètre 67 pour aller pile poil avec ça. Comme ça, on va mettre ça dans le mur. Le câble, il sortira par là et j'aurai plus qu'à brancher la gazinière dedans. Voilà. Donc la petite scie cloche en béton, j'ai acheté exprès, ça me fait chier, mais bon. Des fois, on est obligé d'acheter un peu de matériel. J'espère que ça va suffire, j'ai que ma visseuse. Sinon, j'irai chercher le perforateur. Ça me fait chier un peu d'y aller, mais bon. S'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Donc voilà, c'est parti. On perce le petit trou dans le mur. Et puis, bah, ça devrait être pas mal, je pense que ça va avancer. Bon, j'ai un peu galéré parce que la perceuse est trop, est pas assez puissante pour ça. Mais bon, on a réussi. Le trou est fait. Alors, chose, je sais pas si c'est bien ou pas. Je suis juste à côté du poteau, vous voyez. Il y a un poteau là. Et je suis juste à côté du poteau. C'est les poteaux qui tiennent les plaques extérieures. Et donc, soit ça m'aide à guider le câble, soit ça va me faire chier. Je sais pas encore, on va voir. Bon, en tout cas, bah, maintenant, c'est bon. On peut essayer d'aller passer le câble. J'espère que ça va le faire parce que bah, ça, il va partir dans tous les sens. Faudrait que je mette un poids au bout. Faudrait que je mette un poids ici au bout là pour essayer de le faire droit ou je vais voir. Bon bah on va essayer déjà de le passer. Voilà, c'est ce poteau là que je parlais. Donc je vais essayer de le longer et normalement si je le longe bien, en même temps si j'avais visé un peu mieux, j'aurais putain, pour un peu j'étais dedans, j'étais baisé. Putain, j'ai eu de la chance. Si je le longe, normalement je devrais arriver jusqu'à mon trou en bas. Voilà. Donc normalement, ça devrait le faire. Bah finalement faut que j'aille chercher mon passe-câble parce que là ça le fait pas, c'est trop large. Donc je vais prendre mon passe-câble, du scotch et puis bah on va tirer tout ça après. Là ça le fait pas, il n'y a pas assez de place entre... Bah ça passe mais ça va forcer tout le temps et tout, ça va être la merde. Donc je vais chercher mon passe-câble et on va faire ça autrement. Bon bah je suis con, fais chier, j'ai pas pensé à ça. C'est que je me suis mis dans l'alignement de du poteau, mais cette prise là aussi. Et bah du coup ça me bloque le passage du câble. J'ai pas pensé à ça moi. Quel con. Je suis pile poil dans l'alignement. Eux ils ont fait comme moi les électriciens, ils ont longé le poteau qui doit être par là. Sauf que bah moi si je longe le poteau j'arrive ici dedans. Faudrait que j'enlève ça. Mais le problème c'est qu'après là j'arrive pas à l'enlever déjà. Ils ont mis de la mousse expansive. Bon, faut que j'essaye d'enlever ça pour de le sortir au moins. Mais là ça bouge pas. Je sais pas ce qu'ils ont fait. J'ai dévissé ici, j'ai dévissé là. Peut-être pas assez. Mais bah faut que j'essaye de sortir ça de toute façon. Hein. Parce que j'ai pas le choix. Bon bah allez. Fais chier, ça va prolonger le truc ça. Ça va me faire chier. Bon bah c'est ce que je craignais. Les électriciens, bah ils ont été mettre de la mousse expansive partout, dedans. Donc bah faut que je reperce tout, faut que j'enlève tout. Pour pouvoir passer mon câble qui descend jusqu'en bas ici. Oui, du coup, j'aurais peut-être pas dû la mettre là. J'aurais peut-être pu le mettre à côté là. J'aurais été moins embêté. Mais bon, c'est tant pis, c'est comme ça. J'ai fait le trou. Donc, je vais enlever la mousse expansive pour essayer de repasser mon fil. Donc là, j'ai pris un fil de grillage vert. C'est plus rigide que mon aiguille. Et comme ça, je vais pouvoir passer mon câble plus facilement. Vous voyez, l'aiguille était vraiment trop souple. J'arrivais pas à la passer. Donc, j'ai pris un fil de là. J'ai une bonne longueur. Normalement, je dois être rendu par là, je pense. Donc là, il faut que j'enlève toute la mousse expansive pour pouvoir passer au travers. Allez, je fais ça, je vous reprends après. Parce que là, bah, ça va être un gros merdier. Et voilà, il est sorti. Eh ben, j'en aurais chié. Donc j'ai réussi à passer mon fil de grillage. Donc c'était un peu la galère. Mais finalement, j'ai réussi à le pousser jusqu'au bout. C'est beaucoup plus rigide que l'aiguille passe-câble électrique, là. Et donc voilà, le câble, je l'ai attaché, et puis j'ai plus qu'à tirer. Nickel. Bon, j'ai tout ça de rab.
Je vais aller voir dans le fond. Parce que si ça se trouve, dans le fond, il a bougé aussi. Voir combien qu'il me reste de câbles dans le fond. Parce que là, j'ai largement assez en bas. Maintenant, je vais retourner là-bas. Et on va voir combien il me reste de câbles au bout là-bas. Et je vais tout enrouler là-bas. Et voilà, donc j'ai ce qu'il faut, hein. Là j'ai encore plus d'un mètre, je pense que ça devrait le faire, je sais pas si je le fais sortir aujourd'hui ou pas. Je vais le laisser, si, peut-être quand même. Il faut que je trouve la gaine électrique maintenant, je vais enlever tout le polystyrène. Ah fait chier, les électriciens ils ont mis de la mousse expansive ici aussi, putain, ah ils ont bien bossé hein, mais trop bien, ils ont trop bien bossé. Bon bah faudra que j'ouvre ça par en bas. Du coup j'ai retiré ma gaine. Voilà, je retire une bonne longueur. Et on va retourner là-bas. Et puis on va fixer là-bas tout ce qu'il faut. Et voilà, nickel, mon câble il sort. Vous voyez, 6 cloches de 67. Pile poil le diamètre pour les caches là. Donc nickel. Maintenant bah faut que je relie ce petit boîtier là. J'ai acheté ça. Comme ça je fais venir mon câble ici. Et puis je le relie ici, et après j'aurai juste à relier le four en dessous. Et on sera pas mal. Et le câble du four, je vais le faire rentrer. Je vais faire un trou ici en dessous. Je vais faire un trou ici en dessous là. Comme ça, je vais le faire rentrer par là. Ça va être pas mal. Maintenant, il faut que je fixe ça dans le mur. À moins que je peux récupérer ces deux vis là qui ne servent pas. Et comme ça, je le fais tenir comme ça. Je vais essayer ça, on verra bien. Allez, on arrive au bout de cette prise enfin. Et voilà! Mes fils sont raccordés pour le haut, restera le bas avec le four. Et en direct avec vous, je termine de fermer ça, si j'y arrive, à une main. Ah ben non, c'est pas là, ça veut pas, c'est pas dans ce sens-là, peut-être bien. Voilà, tac. Alors là, il y a un petit trou, mais vous inquiétez pas, après je vais mettre de la mousse expansive. Mais bon, ça va tenir, de toute façon ça va le faire comme ça, je mettrai un petit joint là. Au-dessus, quand j'aurai tout raccordé. Voilà, le petit cache qui va bien. Hop. Et voilà. Donc voilà, ma prise de four est installée. Ici, je ferai un petit joint. Il y avait pareil là-haut. D'ailleurs, je vais remettre aussi. Hop. Je peux pousser l'escabeau pour l'instant. Donc là, c'est pareil. Vous voyez, j'ai enlevé beaucoup de mousse. J'ai enlevé toute la mousse et je remettrai de la mousse expansive là-dedans pour isoler ça. J'en ai à la maison, mais à l'appart, mais j'ai oublié de le ramener ici. Et vous voyez, j'avais fait un petit joint aussi, donc je referai tout ça joliment propre. Mais là, je peux le remettre. Et voilà, donc moi, pour conclure cette vidéo, parce que je ne veux pas faire des vidéos trop longues, ça peut être ennuyeux, un mec qui passe des câbles, un petit peu peut-être, déjà peut-être que la moitié n'est déjà plus là. Moi, je vais conclure cette vidéo, je vais passer mon autre câble. Donc là, ça va être, je vous montre, regardez, ça va être le câble qui va aller du chauffe-eau, qui va sortir du plafond là-bas, et qui va aller jusqu'au compteur électrique là-bas. Donc je vais juste passer mon câble, je vais le mettre dans le plafond, je vais l'enrouler à ce niveau-là, l'enrouler là-bas, parce que là, faut que je vois avec le chauffe-eau va aller là après, on fera des essais dans une prochaine vidéo. Et puis voilà, je vais enrouler mon câble, je vais prendre la bonne longueur, et puis voilà, ça va être bien pour conclure cette vidéo-là. Sur ce, les amis, comme d'habitude, on n'hésite pas à liker si la vidéo vous a plu. Si elle vous a pas plu, vous pouvez liker quand même. Ça m'aidera à en faire des meilleurs. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais continuer mon petit câblage. Et là, le plus gros effet pour le four. C'était ça qui était important parce que madame, elle voulait son four absolument. Et là, elle va être contente parce que déjà, le câblage est fait. Maintenant, reste à le raccorder là-bas encore. Et pour le four, j'ai pas de disjoncteur encore. Faut que j'en achète un aussi. Il y aura ça aussi dans une prochaine vidéo. Donc oui, il y a plein de choses encore. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à regarder toutes les vidéos et en entière si possible. Merci bien. Sur ce les amis, bye bye.